إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Tout éloge pour Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie la paix et bénédiction de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que nous, dans le premier Jum'a, l'année 2019, calendrier qui nous servit dans nos pays, basant le mouvement soleil, qui nous dit calendrier solaire, nous nous trouvons qu'une manière du monde en général fin termine l'année. Qui les calendriers lunaire ou solaire les contenir 12 mois. Une prescription de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ça. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahra. Nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est 12. Qu'il soit lunaire, solaire. Dans le din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'Ipan montre-nous, l'Ipan enseigne-nous comment y terminer un mois dans le champ, dans le sens avec la joie, avec gaieté, dans le sens qui perdit une dignité humaine. Tout au long de l'année, prend depuis le premier mois, Muharram, jusqu'à Zulhijja, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne comment pour rester dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Vu et l'objectif création insan pour réaliser l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vivre dans l'obéissance Allah subhanahu wa ta'ala. Pour donner Allah subhanahu wa ta'ala ce droit parce qu'il lui-même le créateur de tout ce qui existait et nous en tant qu'insan, nous sommes esclaves. Mais le fait qu'il nous donne pays non musulmans, nous témoignons de manière Ban Djiboun fin traverse sa dernier mois qui appelle le mois décembre. Un mois qui finit beaucoup excès. Excès d'un côté l'économie, excès d'un côté divertissement. À tel point que nous dire, Djiboun là, les fin tombe plus bas qu'ils animent.
Nous pouvons dire du monde en général. Mais seulement parmi Finena. Finena, ban qui nous dit, ban musulman. Nous voulons nous parler, les dépenses de du monde là, sous compréhension, pour mal comprendre l'islam. Qui faut marcher en ligne gagner. Une des bonnes raisons, surtout pour le musulman, pour qu'il n'a pas tombé dans piège, ban qui n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas lui faire la même action qui ban là. Et ban qui n'a pas vivre d'après l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, au fait, je peux suivre ce qu'on appelle Ash-Shaytan. Shaytan. Sa ayat qui nous cite là, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas fait adresse à du monde en général. Ni même créateur insan. Il fait nous connaître, minhumul mu'min, wa minhum kafir. Parmi, ban insan, il y a qui mu'min, il y a qui kafir. Et une adresse, particulièrement à ban kafir que l'in challenge. Il y a beaucoup de place que Allah subhanahu wa ta'ala li adresse à sa groupe. Parmi ban insan qui n'a même iman. Same qui zoli. Ça même qui fait à nous servir nous l'esprit, ban frère et ban sœur. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala quand il adresse à nous particulièrement ban qui n'a iman. Si nous pas n'a iman, nous pas tout présent dans le masjid là. Quand il adresse avec nous, il met nous en garde. Mais nous nous amène iman. Qui fait nous mettre en garde? Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous en garde concernant qui petite chose. Ya ayyuhalladina amanu o bankina iman. O bankin croit dans Allah subhanahu wa ta'ala et dans son prophète. La tattabi'u khutuwati shaytan, n'a pas suivi pas à shaytan. Wa man yattabi' khutuwati shaytan, qui fait? C'est lui qui poursuit. Alors que ça n'a pas déjà suivi pas shaytan, avec Bankina Iman. Attention, Bankina Iman a suivi pas shaytan, qui peut arriver? Wa man yattabi' khutuwati shaytan, parce que c'est lui qui poursuit pas shaytan. فَإِنَّهُ كَوَ الشَّيْطَانِ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لِي أُدُنْ via l'indécence et le mal. Allah c'est qui fait. Si nous trouvons nous peut commettre l'indécence, un exemple de l'indécence, zina, l'adultère dans toutes ses formes. Et le mal, tout bon le mal qui existait. Ça c'est bon pas shaytan ça. Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il nous dit, la tattabi'u khutuwati shaytan, n'a pas suivi pas à shaytan. Afin qu'il nous vienne ban du monde qui wajre n'a pas pu comprendre. Qui Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous, lui donne nous l'exemple. Parce que Ash-Shaytan, Ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Lui invite, lui ordonne vers l'indécence et vers le mal. L'indécence et vers et le mal, c'est pas Ash-Shaytan ça. Quand il peut dire pas Ash-Shaytan, c'est action Ash-Shaytan. Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous en garde contre Ash-Shaytan. Qui nous connaît concernant Ash-Shaytan? Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous en garde contre lui? Nous vous racontons l'histoire. Qui fait Allah subhanahu wa ta'ala peut demander nous ça? Avec qui Ash-Shaytan il fait? Allah subhanahu wa ta'ala qui nous descend le Coran comme un guide. Il guide nous dans tout l'aspect de la vie.
dans ce livre-là, il montre que nous l'ennemi. Qui s'en a nous bien poursuivre. Dans ce livre-là, il montre nous qui s'en a qui voulait du bien pour nous. Qui s'en a qui nous bien suivre. Seulement les malheureux qui nous prennent le livre-là, nous gardons l'Isis, l'autre tablette. Ou bien nous lisons l'Isis dans Ramadan. L'année peut s'enlever. Nous tînons dans telle année. Aujourd'hui, dépendant de l'âge qui nous gagne, l'année finit sans eux. Mais moi, je ne suis pas encore sans eux. Le Coran n'est pas encore venu un camarade pour moi. Par contre, les autres qui sont, l'année sans eux, je crée les autres camarades. L'année sans eux, je rapproche avec les autres qui sont. Mais l'année sans eux, je reste pareil dans mon dîme. Je peux encore faire salat 10 avec 4 sourates. Moi encore, je peux faire salat sans connaître qui m'a fait dire dans salat. Moi encore, je peux faire salat sans connaître le règlement. Comment est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut faire salat? Parce qu'il trouve la nécessité pour dire à moi, soit vous, camarade, aïtou mouni ou soit li. Faire salat, moi je trouve moi, faire salat. L'année sans zé, moi pas pour sans zé, moi. Je ne connais tout le temps Alam Tara dans son lat, je peux dire Alam Tara. Ben, c'est une petite chose, l'étant nous guetter, nous trouver qui, nous ne pouvons pas prendre sa petite chose qui Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous en garde pour nous dire. Ash-shaytan. L'incitant risé, l'incitant est l'ennemi déclaré pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lui fait nous connaître. Inna shaytana lakum aduwwun lakum fattakhiduhu aduwwa. Ash-shaytan là, il est l'ennemi pour vous autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut demander nous, fattakhiduhu aduwwa. Prends-le comme un ennemi, pas prends-le comme un ami. Il envoie ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour montrer nous comment il y a pour une protection contre ça à Shaitan. Une protection qui nous pas envie de mettre en pratique. Une protection qui nous pas applique tous les jours. Un petit exemple pour dire. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne nous. L'une pratique lui-même, prophète Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui finit une bonne nouvelle dans la terre. Celui qui. Pour rentrer dans le paradis. Avant il dormi, il lève ce délami. Soit il souffle avant ou bien après, tous les deux hadiths. Il lit a trois coules. Al-Ikhlas, Al-Falaq avec Al-Nas. Ensuite, il passe ce lami entier sur les cours quand ce lami arrive. Et il recommande nous pour faire ça. Qui faire? Même dans nos sommeils, pour une protection contre Ash-Shaytan, un ennemi déclaré. Combien parmi nous fait lui? Est-ce que moi me fait lui? Qui fait déjà nous faire ça pour une protection contre Ash-Shaytan? Dans qui moment? Moment quand nous peut dormir, nous inconscients. Afin que demain nous capables de lever pour nous fajar. Afin que demain, quand nous levons, Shaytan n'a pas venu faire waswasa. Et la nuit longue, ou bien la nuit courte, tu pas assez dormi. Dormi, tu mort, sommeil, toi. Beaucoup connaissent ce qu'il veut dire. Là. Quand ça, l'homme qui lui mettait pour lever Fajar là, quand ça fait sonner, il n'est pas fait capable de lever. Un des bonnes raisons, parce qu'il avait une suite par Shaytan. Un des bonnes raisons, avant y'a le dormi, il n'y a pas de faire ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit à lui. Qu'il y a de faire, il y a de faire sur l'équipe pour jouer, même minuit pour jouer. Il y a besoin d'être perdu ou bien gagné. Il y a une sensation là-dedans. La tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Là, du mec n'est arrivé, pas capable de lever. Il y a une bonne intention, lui. La cause à même Rabbul Alamin fin dire Ya ayyuhalladina amanu, O ban kena iman, la tattabi'u khutuwati shaytan. N'a pas su pas shaytan. Vous connaissez qui shaytan il fait? Ça même qui appelle Iblis là. Papa de tout ban djinn. Dit qu'on Allah subhanahu wa ta'ala, lui pas t'y connaît. Dit qu'on Allah subhanahu wa ta'ala plus que nous. L'infier ibadat Allah subhanahu wa ta'ala li panfer, l'infier ibadat Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'il nous. A
à tel point qu'il y trouve tout le temps parmi sa créature qui appelle ange, qui peine à droit pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Je peine à droit désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire tout le temps dans je, la vie et dans l'obéissance. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande je de faire. Zami qui appelle jamais je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui dit à je fais. Iblis, tu parmi je. Excepté la grosse amie, la divergence, pas une divergence ça. L'état nous trouve, l'état nous pour lire le Coran, et n'a qu'il y a 100 fois de reprendre preuve depuis le Coran, je peux venir dire où Iblis tient ange après l'invin, un djinn, menti. Il n'y a pas de ange. C'est mal qui trouve parmi eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître Wakana Minel Djinn, dit parmi Van Djinn. Puis moment qu'il refuse même. Refuse quoi? Refuse l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Dans n'importe qui forme l'autre la capacité, fin de lui un l'autre pour prostrer devant insan, sa même insan, sa même créature qui Allah subhanahu wa ta'ala pour envoyer l'eau la pied là. Créature qui devine après création. Djinn, ça veut dire djinn qui crée avant. Finjali postienne devant Adam alayhi salam. Premier insan crée. L'origine nous l'histoire, sachez. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça dans le Coran. L'origine nous l'histoire. Qui fait Ali faire nous comme ça? Ou faire nous comme nous l'ennemi? Walidja nous, il y a un ennemi déclaré pour nous, moubine, clair. Pas beaucoup de difficultés pour reconnaître ça. Et il n'y a aucune ambiguïté là-dedans. Il refuse l'autre Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il lui montre l'orgueil. Il montre l'orgueil. Il dit en achairoumine, mon premier yé qui lit, ton crémo avec du fait, ton crémo avec la terre, comment est-ce capable de prostérer devant lui. Il service de déduction. Pareil que beaucoup d'insan. Parmi les musulmans, ils trouvaient qu'ils l'ont cinq fois sur la tête, trop beaucoup ça. Ils désavouent, ils ne peuvent pas faire le mal, ils ne peuvent pas faire blesser du monde, ils ne peuvent pas faire coquin du monde. Qui fait bien faire cinq fois? Quand il y a les temps faits, pas de raisonnement chaitan ça. Il n'y a pas mis nous, il y a ça, il existe ça. Qui fait la permettre ça, pas permettre? Il pose question tout le temps. Ça, c'est mal khotoua du chaitan. Ben nous assois ça qui vient depuis Shaitan. L'inmodi à partir de ce moment-là, l'inmodi. À chaque fois qu'il nous mentionne lui, nous mentionne Ar-Rajim, c'est lui qui vient maudit. Qui nous dit que nous avons le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala vient recommande nous. Fasta'id billahi minash shaitani rajim. Cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre Ash-Shaitan. C'est un ennemi qui est bien dangereux pour nous ça. Connais, c'est un ennemi qui nous fait une promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala pour égard comme insan, ban qui peut rendre chemin droit. Ban qui peut prendre une bonne décision pour astiala, mais pour arrêter de commettre le mal. Astiala, mais pour quitter ban désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ban jimoun là, Iblis, il fait promesse avec Allah subhanahu wa ta'ala, la a'udanna lahum sirata kal mustaqim. Mon poissy, tout ça va dire là, l'autre chemin droit, l'icône chemin droit, il n'est pas connu. L'icône. Nous ne capables pas connaître chemin droit. L'icône chemin droit, et il dit ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Quelle qualité ça? Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous l'ennemi, qui décision l'il prend, qui lui fin dire à lui, à tel point, mon poids l'autre chemin droit, mon pouvine devant eux, derrière eux, deux autres côtés droit, deux autres côtés gauche. Voilà, t'as dit, ah, ça nous chacun. Tu pas pour trouver la plupart parmi eux reconnaissants envers toi. Livré, il n'est pas vrai, livré. Ça même l'ennemi qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut mettre nous en garde là. La tête tabi'ou khutuati shaitan. N'a pas suivi pas à shaitan.
n'a pas premièrement montré toi orgueillé, n'a pas pensé que l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, pas mérite l'autre, toi. Te trouve un grand du monde, toi. Te trouve un grand du monde, quand te l'est, quand me l'est, moi, pour faire, moi, soit là. Moi, d'accord. Moi, connais Allah subhanahu wa ta'ala existe. Moi, connais l'islam, hein, vraie religion. Mais moi, pour suivre lui, quand moi, envie, quand moi, gagne des temps. Quand est-ce qu'il nous pense comme ça? Quand nous peut suivre, pas à Shaitan. Nous trouvons, comment nous peut dire, dans moi qui nous traversons, comme nous, pas cause de nous, musulmans. Ça nous fait dire les temps pour causer ça. Ban qui fait un répire ça. Mais ban qui n'a un répire, ban qui n'a un guide, ban qui nous appelle ban musulmans. Mais qui peut nous faire dans ce monde? Est-ce que dans ce monde-là, Shaitan, il réussit à influencer moi, ou bien mon réussit à faire face à lui, mon prend lui comme un ennemi déclaré, comme Allah subhanahu wa ta'ala finit moi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Nous pouvons dire l'année sans eux, je ne pas encore sans eux. L'année sans eux, moi, je n'ai pas intérêt pour sans eux, moi. L'année sans eux, moi, je pourrais pareil, je pourrais faire mon djouma, après mon djouma, je pourrais être qui m'a envie de faire. Ça 365 jours qui dit devant moi là, je pouvais faire une série qui faisait la télévision, je pouvais faire une manière n'a pas manqué d'autres. Ça décision qui. Beaucoup parmi nous, les musulmans, nous veut dire là, qui ne prend, qu'il y soit Michel, Madame, Tifi ou bien Garçon. Nous encore assez nous ban DVD, nous encore attachés avec nous portables. Qui pour faire? Pour lire Coran Lola, pour mettre application Coran Lola, pour gramma tête en tant que dit pour lire Coran? Non. Je ne comprends pas, je ne parle pas avec Coran. J'ai faux pour le comprendre si vous pas pour faire. Non, il y a beaucoup d'applications. WhatsApp. Perdu le temps avec WhatsApp. Qui vous voyez? Beaucoup, beaucoup de choses parmi les imbécilités. Dépense le temps, l'eau là. Et ça, ces petites choses là, l'IFNU dévié depuis nous l'objectif. Ribadat Allah subhanahu wa ta'ala. Qui empêche nous de lever sur la Fajr? De façon que nous n'allons. Qui empêche nous pour qu'on ban toutes choses qui est dans dire de façon que nous servit nous le temps. Ça le temps pour venir guetter, pour venir écouter, pour venir comprendre qui m'aura pédé à moi. Pas gagné le temps ça. Mon trop vieux, mon trop grand, mais n'a trop beaucoup l'occupation. Moi-même qui j'ai été en train l'homme au chemin qui était là. Moi-même qui n'ai pas embêté, moi, une fois, tu peux faire soi là. Parce que je suis concerné à soi là, les jours derniers, tu peux faire soi là, tu es correct, toi. Mais n'oubliez que les jours derniers, et n'a pas mis ban qui fait salat, qui garde rosa, qui fait hajj, etc. qui donne Allah subhanahu wa ta'ala ce droit. Mais pas pour gagner Jannah. Parce que tout ce qui est bien fait, comme Allah subhanahu wa ta'ala ou comme ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Ça l'islam qui nous fait pratiquer là, si vraiment nous sincère, si vraiment nous fait pratiquer un islam sincère, Allah subhanahu wa ta'ala fin montre nous quelque chose qui nous vise à faire afin que nous pratiquions sa dîne là pour moi vise. Qui dit à nous? Udkhulu fi silmi kaffa, rentre dans l'islam complètement, complètement, pratiquez. Pas juste dans Ramadan, pas juste dans le moment que moi je fais Hajj ou bien moi je fais Umrah. Non, outroulou fissil mi kafa, rentre dans l'islam complètement. Voilà ta tabirou koutoua ti shaitan. Pareil, n'a pas suivi par shaitan. Parce que shaitan pour empêcher toi pour rentrer dans din complètement. Shaitan pour faire ta prendre din, nazien tu bouzo, di vendredi mon présent dans du ma, mon pratique din. L'islam.
Quand mon sorti qui m'a pas le faire là, m'a pas casse la tête. Qui m'a pas le jouer, qui m'a pas le guetter, m'a pas pour casse la tête ensemble. Une fois, du m'a bien fait, m'a pu venir faire mon du m'a. Ben les autres actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, kafa, complètement. L'islam, c'est pas cette histoire-là. L'islam, c'est pas cette rosa, zakat, hajj. Quand nous pédions la cause, même quand nous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala avec salat, rosa, zakat, hajj, vous prenez eux. Parce que ça va une bonne action là, c'est un pays à dire, vous prenez eux pour mettre dans l'enfer. Je disais pays. Ben mauvais action qu'ils ont fait en dehors aux zakat sur la hajj. Voilà tête de bien pour toi, tes shaitons. N'a pas suivi pas shaitons parce qu'il y invite, il y ordonne ce qui l'indécence et le mal. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà où la fadlullah alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Si favir et rahmat Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas t'il aux autres, nous, c'est tout ban qui n'a iman. Ma zaka minkum min ahadin abada, zamien qui ken comme les autres, zamien qui ken comme les autres, qui pou, vin propre. Ban mou facile expliquer, beaucoup place dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne zaka. Qu'est-ce qu'il y a? Purification, c'est l'islam, ça. Seul moyen où capable de mettre tout propre, c'est accepter l'islam, pratique l'islam. Celui qui peut pratiquer l'islam, vient du monde propre, là. Si va vivre Allah subhanahu wa ta'ala et ce rahmat n'a pas tiré aux autres, c'est pas pitié, ça. Ma zaka minkum min ahadim abada. Parce que ça chaitan là, ça iblis là, l'infini fait sa promesse lui. C'est pas rahmat et favier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous capable de pratiquer là, accepter l'islam, pratiquer comme un bizin. Si Allah subhanahu wa ta'ala se favier, ce rahmat n'a pas tiré nous tu comment ban les autres en cours. N'a pas une compte Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien une connu, mais donne-lui associé. Walakin Allah yuzakki man yasha, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui purifie celui qui lui voulait. Allahu sami'un alim, car Allah subhanahu wa ta'ala sami'un alim, mais j'ai l'issé en tout petite chose. Lui connaît tout petite chose, lui t'en tout petite chose. Sa favia là, Allah subhanahu wa ta'ala fait fier nous, mon frère. Chaque fois nous mentionnons ça. Sa favia, par exemple, être dans la case là. Une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons montrer reconnaissance pour faveur Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce pitié qu'il fait dans l'eau. L'ONU qui aujourd'hui nous trouve, nous, on dirait, une consadine qui appelle à l'islam. Nous montrer nos reconnaissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous retournons vers lui pour faire son ibadat. Faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, pas veut dire faire salat, roza, zakat, hajj. Dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donner Allah subhanahu wa ta'ala ce droit et donner insan pareil comme nous qui peut vivre autour de nous ce droit. Insan nous peut dire, qu'il soit musulman ou non musulman, donne-lui ce droit, ce qu'il méritait. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pose vos questions les jours derniers concernant ce droit et concernant droit insan. Si Allah vient faire nous sa faveur là, nous montrer nos reconnaissances envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous envie, vin parmi ban qui, inshallah, rentre dans l'islam, nous dialy complètement. C'est le moyen nous là. N'a pas suivi pas shaitan. N'a pas suivi lui. Prends-lui comme l'ennemi. Reconnais ce bon action. Et n'a pas fait bon action qui lui ordonne nous. Parce qu'il n'est pas ordonné bien non, excepté Al-Fahsha ou Al-Munkar, l'indécence et ce qu'il nous appelle le mal dans tout ce faux. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous reconnaître nous l'ennemi. Qui lui fait nous venir parmi ban qui prend ce parole en considération et fais effort pour ne pas suivre pas chez toi. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.